On va laisser regarder pour nous comprendre plus qui ça va aller. D'ailleurs, on va vraiment poser la question, m'a plus quitté lui comme si la co-animer émission avec jodi pour expliquer nous justement dossier ça qui ça lié parce que il y a pile monde qui pas comprendre et jusqu'à présent qui a fait dilatoire qui a créé diversion le simple fait que Guy Philippe mettons discours dans tête yo il était kidnappé par les Américains et ensuite il était forcé pour le plaider coupable alors que gain élément gain matière gain document qui prouvait c'est Guy Philippe lui-même qui était d'accord si hein et n'a venu avec date avec tout élément ça yo et nous pral ouais combien cob yo était estimé ou était dit Guy Philippe te recevoir en pot de vin qui donc en battable dans affaire trafic illégal de stupéfiants cocaïne nous pral regarder ça avec professeur Frédéric Boiron. Professeur, bonsoir et merci parce qu'on fait un pile sacrifice pour répondre à l'invitation. Nous, comment bon, ben merci beaucoup de l'invitation. Hein, et puis, je pense que c'est important que si mes combats et que ouvre les publics, là, les que ma explication sur ça, moi, dit. Donc, pour moi, faire sacrifice là. Je n'ai pas gagné un pile temps, mais moi, je te promets que ma place. Donc, on a 30 minutes devant nous pour nous expliquer qui ça que moi, je comme information, des informations indémontables. Alors, puisqu'on dit, mais déposé, mais voilà. Nous, dans plus l'information que nous connaissons déjà, que et Guy Philippe, les Américains t'émettent au mandat et t'émettent des accusations, pardon, contre Guy Philippe dès 2005. Maintenant, c'est pas vrai. Ils n'ont pas kidnappé Guy Philippe. Et c'est un mandat d'arrêt que c'est le tribunal au CAI qui émet au mandat d'arrêt. Moun qui a arrêté Guy Philippe, c'est BLST. Bureau et de lutte aux stupéfiants en Haïti. Donc, c'est la police haïtienne qui a embarqué Guy Philippe avec collaboration d'INE. Maintenant, l'autre élément pour dire qu'il n'y a pas kidnappé monsieur, c'est que l'œil au final arrêté monsieur. Il a pris l'œil au bras l'avion avec lui, il a mis ami avec lui. L'Américain a reçu autorisation du gouvernement haïtien, donc du gouvernement de privé à l'époque. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un monde qui a kidnappé, c'est un monde qui a arrêté en bonne et due forme. Sous un mandat qui te émet au moins 12 ans avant que vous arrêtez, monsieur. Ça veut dire que pendant 12 ans, ça, il a cherché Guy Philippe, il a joint, il a well, il a négocié avec Guy Philippe. Guy Philippe relaie des agents du FBI pour lui négocier avec lui. Pour lui dire, ouais, est-ce qu'il s'en est gagné en main, comme preuve avant que lui rende tête. Il négocie avec lui et dit, il a négocié avec Madame Guy Philippe. Madame Guy Philippe relatait plusieurs épisodes côté que Négo était rentré la Kaïli, vint chercher Guy Philippe, et même là, d'ailleurs, quand il y a eu un épisode côté va chercher monsieur la Kaïli, madame a dit qu'il est blessé dans l'épisode. Un deuxième épisode, il dit que Négo vandalisait Kaïli, il a vu que Kaïli a tête en bas et a cherché monsieur dans la Kaïli. Donc, ce n'est pas le monde que vous kidnappé, c'est le monde que vous arrêté. Et puis, il est allé avec monsieur aux États-Unis. Le monsieur arrivé aux États-Unis, c'était. Monsieur va le présenter devant le tribunal. La première séquence que monsieur va le faire, il va le plaider avec avocat. Il va le plaider trois arguments pour faire libérer monsieur le plus rapidement possible. Premier argument que monsieur déposé, après avocat le déposé, avocat il dit que monsieur sont sénateurs liés et que les gagnent immunité, ils n'ont pas capable d'arrêter le constat d'une menelle devant le tribunal. Juge là dit oui, effectivement monsieur sont sénateurs, mais sénateurs pas assermentés. Ils sont sénateurs élus, mais ils pas assermentés. Donc, il dit que ça n'a pas qu'un B. Il dit que si c'est son argument, ça, il n'y a pas qu'un B. Il dit tout que monsieur dit que il gagne. Le juge là lui-même dit que normalement, les émettent un mandat contre le monde pour qu'on délai pour mener le monde devant le tribunal. Et puis, le juge là dit mais nous prenons trop de temps pour mener monsieur devant le tribunal. Et, bon, pièce à conviction que Mouéba aujourd'hui, avant que nous parlions de rentrer en ordre là, mais à un moment donné, c'est qu'en 2006, les négociants que nous pral dépasser des lèvres. Et les Américains ont pral dépasser des lèvres pour mener monsieur devant le tribunal là. Ils ont pral déclarer monsieur fugitif. Ils ont pral faire démonstration que ils ont fait plusieurs tentatives pour arrêter monsieur avec la police haïtienne. Et puisque ils n'ont pas capable que monsieur ensuite, ils ont déclaré monsieur fugitif. Pire encore, monsieur pral fait une demande d'accès à l'information. Donc monsieur pral voyer un formulaire que n'importe qui citoyen peut acquérir qu'un droit et voyer. Et monsieur pral remplir formulaire ça, il pral demander qui ça y a gagné contre lui comme accusation. Il aime ce signe et formulaire là, il signe Guy Philippe Petit Petit fugitif NCIC. Donc monsieur lui-même lui écrit que c'est fugitif lié. Donc comme monsieur son nèg qui d'après ça moi ouais, la recherche moi son nèg qui rien fait théâtre, qui rien conflit colli, et ben monsieur écrit ça, donc ça a tout pour aider tribunal là pour dire que non, c'est pas un sénateur, c'est pas un monde que vous pas mené devant tribunal à temps, c'est un fugitif que vous mené là. By tribunal là.
Donc, à partir de ce moment-là, ça, puisque nous évacuons les possibilités pour que cela tombe, si vous voulez, nous évacuons toutes les possibilités pour que cela tombe, eh bien, on y a là, avocat monsieur Bral plaider pour monsieur, il va plaider non coupable. Donc, il va plaider non coupable, et à ce moment-là, c'est comme ça, ça marche dans le système judiciaire américain, hein, ou plaider non coupable, lorsqu'il plaider non coupable, la poursuite a l'obligation pour déposer des preuves. Et la poursuite, déposer des preuves. Avant de déposer des preuves, il y a un bagage, il y a un monsieur, est-ce que vous gagnez un relevé bancaire? Et monsieur dit non, il n'y a pas de relevé bancaire parce que transaction que vous demandez, il y a remonté trop loin dans le temps pour l'état gagner. Et puis il dit, d'accord, pas de problème, mais il y a déposé des preuves de transaction que monsieur fait. Et puis là, avocat, monsieur Okunyala, Bral Chita, où il dit, qui ça il a fait pour éviter monsieur prison à vie? Parce que, comme dit-vous, que accusation contre Guy Philippe au départ, c'est une accusation d'importation de cocaïne aux États-Unis. L'autre et deuxième accusation, hein, c'est transaction de plus de 10 000 $ dans vente de cocaïne aux États-Unis. Et troisièmement, c'est blanchiment d'argent dans le cadre de narcotrafic. Donc, ça, il va le faire, c'est que l'avocat va négocier avec la poursuite pour Guy Philippe ouvrir ventre par le tribunal là, pour l'expliquer criminel, pour lui expliquer qui est le criminel organisé, et en échange pour là, il va un peu plus complaisant avec monsieur. Donc, comme dit, accusation importation de drogue là, plus accusation transaction de drogue là, dans les deux cas, résultat, c'est prison à vie. Point final. Pas aucune demi-mesure. Là, ça, c'est sans l'ensaille au point, monsieur. Monsieur, c'est prison à vie. Avocat, vous faites monsieur comprendre que si il n'y a pas négocié pour lui, pour nous joindre en tant que, c'est-à-dire que pour lui, une vie devant le tribunal là, mais si il n'y a pas négocié en tant que ça, c'est prison à vie tout droit. Donc, Guy Philippe, Bral Chita, avec tribunal là, avec greffier, et monsieur Bral fait une déposition. Monsieur Bral fait une déposition pour lui expliquer qui gens que lui organiser crime drogue ça en Haïti de début des fin des années 90, début des années 90 jusqu'à début des années 2000. Et puis monsieur Bral dit, voici mais en résumé mais qui ça monsieur dit. Monsieur dit que lui transféré 376 000 $ qui était en banque en Haïti et là en banque au Salvador que lui transféré dans un compte conjoint que lui gagné avec madame Ni aux États-Unis en Floride. Monsieur dit que il transféré 70 000 $ par petite coupure de 10 000 $, par tranche de 10 000 $, parce qu'en bas de 10 000 $, il risque américain par faire vérification. Monsieur dit qu'avec l'argent ça, que l'ité prend la drogue là, eh bien, l'ité acheté une caille dans Broward County. Monsieur dit que Colombien, qui était bal, travail ça, paye jusqu'à 3,5 millions de dollars. Monsieur dit tout que Jobly, c'était assuré que cargaison de drogue sorti Colombie et que yo bien arrivé à Haïti. Pendant que Haïti pour lui bien assurer que en sécurité et lui même job et tout c'était assurer que cargaison a parti vers la Floride. Monsieur dit que pour le faire ça, il fallait que l'était payé des policiers haïtiens et même des officiers de la police haïtienne pour que l'était corrompre pour faire travail ça. Donc monsieur, c'est ça que lui baille comme information. Et la sentence qui va tomber, parce que là ça veut dire qu'on négocie sentence. Pour monsieur baille ça, La justice américaine n'est pas plus intéressée à Guy Philippe, il est intéressé à qui genre structure et importation de drogue là fait. Donc ça veut dire qu'il est intéressé à comprendre toute manigance. Et là, monsieur est arrivé au tribunal, pour me dire tout, monsieur arrivé au tribunal, non seulement il a dit que quand il y a sa conviction contre lui, il a dit tout, il y a 10 personnes minimum qui prêtent à témoigner contre lui, qui étaient capables de complicité. Donc, monsieur a retrouvé le coincé, il n'a pas rien le choix, c'est soit que il vide devant lui, ou bien c'est prison à vie capable. Et c'est dans ce contexte-là que monsieur vide ma tribunal là. Il va le sentencer Guy Philippe. Il va le battre, monsieur, 9 ans de détention. En fait, ce n'est pas même 9 ans. Il y écrit, c'est 108 mois qu'il y écrit. D'accord? Il va monsieur 108 mois de sentence, de prison, de pénitencier. Et puis, il va monsieur 3 ans de liberté surveillée. Ensuite, ce qui est encore plus important, il va monsieur une amende de 1,5 million de dollars. Et il a jugé que quand il monsieur Teguin, que t'as acheté avec Cop Drog, là, l'Ambo, à Kandia, Kaïsa te vaut justement 1,5 million de dollars. La Cour saisit Kaïla en échange de dette monsieur A, donc nous prend Kaïla pour dette 1,5 million de dollars. Donc, rappelez-nous que le chef de la police en Haïti, Kounyala, fait 97 000 gouttes par mois. Donc, c'est à peu près 12 000 dollars américains par mois que mon chef la police gagne et par année. Donc, Guy Philippe, t'es commissaire, il va même faire comme ça pour dire qu'on caille 1,5 million de dollars aux États-Unis. Donc, la démonstration
à savoir, est-ce que vous avez kidnappé monsieur? C'est faux. Est-ce que vous avez forcé monsieur et plaidé coupable? C'est faux. Monsieur était obligé de plaider coupable. C'était ça ou bien c'est prison à vie. L'autre élément qui va l'important, et c'est très important pour montrer que monsieur admet culpabilité et qu'elle était effectivement plaidé coupable, c'est que vous avez libéré monsieur sous 6 ans. Il ne faut pas oublier, moi, je dis que monsieur a une sentence de 9 ans. Il a libéré sous 6 ans. Et mais pour le libérer sous 6 ans, il faut qu'on admette qu'on a commis le crime. Il n'y a pas libéré sous pas repenti. Il n'y a pas libéré sous pas dit que l'on sauté ou pas préfère ça encore et qu'on admette qu'on a fait mais qu'on pas préfère encore. D'ailleurs, dans l'aide que monsieur voyait, la commission de libération conditionnelle, c'est ça qu'il dit. Il dit que lui apprend de erreur et que lui pense que le cas est nos meilleurs citoyens et que lui bien pressé là pour le rentrer en Haïti pour l'aider moun dans la commune Pestel avec et la vallée de Tiburon. Mais qui ça que monsieur dit? Non seulement que le monsieur dit que yo te kidnappé, c'est pas vrai. L'aide dit que le force est coupable, c'est pas vrai parce que lui-même lui écrit que lui admet que lui commet crime là et non seulement ça, lui chita, lui dit devant lui, lui m'a exactement qui sa crime l'a rapporté et qui j'en fais. Ce qui est aussi très important, c'est que le juge là, la juge a dit à Guy Philippe, non seulement que le crime n'y a pas d'impact aux États-Unis, en Haïti et dans la Caraïbe, mais il reprochait monsieur, il avilit monsieur, il dit comme ça que vous utilisez privilège comme haut gradé de la police d'Haïti pour enrichissement personnel. En plus de ça, pour crime ça au contraire, comme policier, pour éthique qu'on suppose gagner comme policier, non seulement que vous trahissez la confiance de la police, comme institution, ou trahir la confiance de la population haïtienne. Donc, juge là, on t'a dit que juge là, avant de prononcer sentence là, li avili Guy Philippe pour dire monsieur que ou prend pouvoir ça, que ou baou comme policier, côté qu'on population pour confiance pour défendre, alors qu'on utilise pouvoir ça, utilise privilège ça pour enrichissement personnel et lui-même li considérer que c'est une trahison à la nation que Guy Philippe fait dans le cadre de poste que l'occupe ou type de crime que l'il commet. Voilà ce que moi je voulais démontrer, c'est-à-dire que c'est responsabilité de moi-même pour me dire que l'aime tant d'informations, moi elle vérifie. Moi elle vérifie l'information ça, et l'information a dit clairement que Guy Philippe baille au moins 2 mentis. Premier menti, il n'y a pas qu'il n'appelle, deuxième menti, il n'y a pas forcé, personne n'a pas forcé le plaidé coupable. Donc libre plaidé coupable de plein gré, parce que s'il n'a pas plaidé coupable, eh bien il n'a pas retrouvé une sentence à vie, et nous ne pouvons jamais retendre parler de M. ça encore. Donc, c'est ça la responsabilité d'un sociologue, c'est ça que moi je fais comme travail. Et moi-même, c'est sous démocratie que m'écrit. Là, un système de justice, c'est qu'à faire un exemple qui finit pour abus. C'est ça que monsieur dit. C'est une responsabilité pour mal vérifier, pour connaître est-ce qu'effectivement, c'est un monsieur ou un abus. Non, c'est faux, il n'y a pas fait un abus. C'est monsieur qui fait population haïtienne, société haïtienne, un abus, parce qu'il est abusé de pouvoir que l'il a gagné. Donc, voilà le vrai état des lieux. Pas de gain, tout ça que nous avons entendu là, toutes ces bêtises. Cependant, c'est très important, Tété. Tout ça que moi dis là, moi écris un article que j'ai besoin sur www.frédéric-bon.com, moi expliquer tout ça, et pas juste expliquer. En bas, article là, moi mettez tous les liens pour nous joindre toute documentation que moi utilise pour nous capables de faire jugement nous-mêmes pour nous connaître est-ce que ma vie vérité ou bien ma baille menti. Comme moi, certains de ça m'a dit, moi mettez tous les liens, moi mettez toute documentation, ou même Tété, moi voyez document bas où, avant que je rentre là en ouais. Avec vous pour assurer vous que ça m'a dit là, que ce n'est pas des bagailles que moi inventé, parce que pièce à conviction, yo disponible. Si vous faites des demandes d'accès à l'information, yo disponible. Moi-même, moi fais demande là, moi joigne yo. Et il y a qui est disponible, il y a qui est libre, il y a qui même sous et site internet ambassade d'Haïti à Port-au-Prince. Donc ça veut dire que pas grand rien qui est caché, toute la vie. Guy Philippe pendant les 20 dernières années public tout parcours criminel Guy Philippe public moi-même c'est pas un gros effort que moi fais pour moi joindre information par exemple dernière partie on baille sur question chiffio moi gagne document ça en anglais avec signature Dividal avocat Guillot et puis signature Guy lui-même comme defendant qui justement comme défendant qui était signé dossier ça tout donc c'est pas ça, ça va parler là c'est ça ça va parler là document qu'on va parler là que moi voyez pas où document ça c'est déposition définie c'est-à-dire c'est la dame côté que je dis combien cob il recevoir en main colombien combien cob il transférer dans compte de banque Haïti compte de banque Salvador que le transférer $376,000 combien que yo t'ai payé pour lui faire et assurer que cargaison rentre, cargaison sécurisée, cargaison partie. Et c'est là-dedans tout que monsieur dit que c'est payer le payer, officier de police en Haïti,
pour faire travail là pour lui. Donc, comme que le toucher a, 3,5 millions de dollars que le toucher a, je dis son minimum, 3,5 millions de dollars que le toucher. Et en fait, c'est ça la cour a été gagnée en même. Ouais. La cour a été gagnée 3,5 millions. Alors, il y a une chose pour nous dire, professeur, c'est que Guy Philippe, c'est plaidé parce que monsieur t'a dit que il pas rien comme ça, il pas rien comme sous compte lui, mais ça monsieur par rien compte que ici aux États-Unis, yo vérifier tout détail même si vous occupé au meilleur suivre. Donc si Américain pas de gain argument ça yo que m'a regardé devant là, eh bien Guy Philippe pas tape justement d'accord plaidé coupable, monsieur t'a fait résistance. Mais c'est là monsieur rend compte que la baie menti et États-Unis gain bagaille normal finalement, il dit ça va rien. Exactement. Yeah. C'est comme ça système judiciaire là fonctionne. C'est-à-dire que yo pas accusé ou parce que par exemple forme tête tout. Monsieur dit que yo t'es kidnappé pour opinion politique etc. C'est possible, hein? Tout est possible. Yeah. Sauf que le problème c'est que ou pas qu'à dire ça encore leur bon déposition qu'on fait côté qu'on avoue crime et qu'on signe avocat aussi. Tout le monde signe. La poursuite signe avocat pas aussi ou même aussi. Donc tout ça comme c'était dit avant que c'est comme peut-être au parrain, mais c'est pour position politique, etc. Mais tout ça pas campé son rien encore parce que monsieur signé une déposition côté que lui admettre que lui sont criminels. Donc ça finit là. Nous n'avons pas aucune discussion possible encore sur question Guy Philippe. Maintenant, c'est très important. Et pour moi, c'est pas ça, non, qui campé c'est Guy Philippe président d'Haïti. C'est pas ça, non. Moi-même, travaille pas, c'est pas dit qui est-ce qui est pour président d'Haïti. Moi-même, travaille pas, c'est que moi, je crois que c'est important. Le nous gagne monde qui a présenté pour diriger un pays, pour nous faire diligence, pour nous faire vetting sur mon lieu, pour nous comprendre qui est sur lui. Si après tout ça me dit là, après tout ça que moi démontré, preuve à l'appui, et que Haïti a décidé que c'est Guy Philippe que vous voulez voter pour lui, ben, grand bien leur face. Mais moi-même, responsabilité, c'est pour nous dire ça. Parce que c'est parce que nous pas fait vetting qui fait que nous ancien paix paraît devant nous, et pas de jambes dirigeants en ville, à part de paroisse, et puis il retrouver le président pays. C'est parce que nous passons vetting qui fait que nous ancien chanteur dans un groupe qui t'a dirigé trois monde retrouver la dirigeant pays qui a plus que 10 millions monde. C'est parce que puis qui dit en plus son vagabond lié. Qui dit depuis date n'a prend monde qui t'a l'école pour qu'il s'en pas pour vagabond. Qui dit son bandit légal lié, nous prend quand même. Yon l'autre paraît lui dit son gros industriel lié de pral produit pendant tout pays a pral gagne pendant nous pral vendre pendant nous pral faire pendant pas quatre demande enragé, pas un monde qui vont gagne pendant dans pays. OK? Et puis nous prend. Mais c'est responsabilité nous moun qui gen moyen qui gen accès à information pour nous faire vetting sur tout moun qui veut le présenter et comme candidat à la présidence. Moi-même moi prend Kagi Philippe là, moi j'ai information hein, parce que prochain moun k'ap vidéo si moi gen information tout m'a ba yo, c'est pas Guy Philippe, Guy Philippe pas problème moi. Hein. Guy Philippe pas problème moi. Pas de problème alors, à Guy Philippe, pas problème à personne. On veut clair pour vos amis yo, pour moun k'ap suivre surtout les partisans de Guy Philippe. Travail sociologue Frédéric Boiron, son travail vraiment exceptionnel parce que, et c'est pas là-bas à l'imaginer, moi me zoom, il y a des documents qui sont en anglais, je fais un travail non seulement li relatif fait yo, et li dit, mais qui ça va là, et suivant ça la justice américaine lui-même gagne. Et ceci, et c'est une bagarre qui grave tout dans la presse noire. Il y a un journaliste qu'on connaît qui c'est partisan, qui a tout document ça, mais qui pas exposé, qui pas expliqué publiquement, qui ça va là. Parce que l'on pas expliqué ou fait plus talk public là. Parce que c'est pas parce qu'on remet les gars, mais vous pas dit vérité à souli. Document là, il est disponible, mais il y a un journaliste qui gagne le fait que c'est partisan ou bien supporter Guillaume, il n'a pas partagé les données. Parce que, qui ça? C'est confusion à baisser où était dans l'esprit de Mounio. Et si on dit au kidnapper, il force. Alors, il y a des documents qui dit que, mais qui sont dit, et c'est suivant, selon son dit, et c'est sous ça ou basé. Ou te commencé pour plaider, pour dire non, pas fait li, qu'on y a immédiatement yon rallié des dossiers, ou dit, mais qu'il est tel date, mais son fait, qu'on y a yon qu'un bodé, puis yon ma ou pas plaider, et finalement dit, ok, mais ça qui t'est passé exactement. Et ça qui est drôle, bon, bah, comme si on t'y crasse effleuré li, mais son, m'dap li l'taleur dans le texte là, son pas extrêmement important et qui grave tout. Parce que Guy Philippe, monsieur, ce qui ça le fait, conseil de transaction qui pas passé sous nom, il utilise d'autres noms. Pour le faire transaction au passé, et ça, c'est grave. C'est samedi, oui, yeah. Et c'était moi, je constate que les monsieur arrivé là, quoi, monde que monsieur était travaillé avec lui pour faire transaction, yo, parce que transaction pas jamais fait sous mon lit, monde que lui a utilisé pour faire transaction, yo, mais, et, américain qui a enquêté sous monsieur à tout le monde, c'est les monsieur arrivé là, quoi, ils apprennent que monde ça, yo, prêt à témoigner contre lui. C'est-à-dire que monde ça, yo, tout, yo, fait plus bargaining par yo. C'est-à-dire que yo, dit yo, sous témoigner contre Guy, mais qui s'en a pas ou. Ouais. Mais qui est relâchement que n'a pas ou, mais n'a pas commodé ou l'empêne.
Donc, monsieur, il y a des gens qui étaient complices dans la police, dans les gens qui ont fait transaction sur nom, pour lui, etc. Les gens qui étaient prêts à témoigner. Ça qui arrive, c'est que les Américains, le document qu'on gagne, ils disent, c'est le premier chapitre, c'est que les Américains ont déposé preuve. Avocat, monsieur, dit, monsieur, comme ça, pour ça, les gens qui ont gagné là, quoi qu'on prise en vie, quand même. Ouais. Donc, pour qu'on chita là, pour ouvrir le ventre, pour ouvrir sa loupe, pour la gomba en main, pour ne pas retirer le bagage. Donc, monsieur, il y a trois accusations. Et importation de cocaïne et vente de cocaïne et de 10 000 dollars et plus à plusieurs reprises, plus blanchiment d'argent. Je dis, monsieur, ok, la blanchiment d'argent, c'est lui-même qui sentence la moins élevée. Sentence blanchiment d'argent, c'est de 9 à 20 ans. Voilà que Guy Philippe retrouve lui avec le minimum du minimum. Écoutez bien, c'était ça. Moi, je dis qu'on est qui fait face à la prison à perpétuité, il nous retrouve lui à une sentence possible de 9 à 20 ans, il y aura 9 ans. Donc, ça veut dire que pour M. Rivel en 9 ans, ça veut dire que M. Bayan pile information. En pile information et information yo gagné qui consigné et gagné que moi-même, moi pas joindre, peut-être que gagné l'autre, mais ça me gagné yo, yo incriminant, c'est yo même qui dit transaction l'argent, c'est yo même qui dit que M. et assuré et déplacement cargaison, c'est lui même qui dit tout que M. acheté d'autres policiers pour assurer que le travail la fête pour Colombien. Donc, mais pour M. passer de perpétuité à 9 ans, et sous 9 ans, ça a dit fait 6, ça veut dire que Philippe Bay américain, ça aurait été besoin. Professeur, monsieur, que vous dites l'essentiel de l'article ça, que en pile, le monde capable d'aller sur blog ou sur page personnelle ou soit Facebook, vous êtes capable de joindre l'article ça si vous voulez continuer l'île avec tout détail. Frédéric Boiron, je pense que l'important pour nous apprendre plus, comprendre plus, ce n'est pas parce que nous avons compte à un monde, mais nous juste dit ça va rien. Contrairement à ce qu'a dit sur les réseaux sociaux, moi-même, j'ai un document même qui sorti dans le tribunal ici aux États-Unis qui prouvait que Guy Philippe lui-même était d'accord témoigner. Et on doit dire que c'était forcé, mais attention, chiffre ça, yo, est-ce que c'est chiffre inventé? Comme si, comment pourrait ça, c'est ça, vous mettez, monsieur, que si vous avez inventé, vous avez mis plus comme. Si vous mettez 1,5 million de dollars, si vous mettez 376 000 dollars, 10 000 dollars, c'est parce que c'est ça, vous gagnez comme élément. Donc, si vous si avez plus, monsieur, que vous avez dit plus. Moi-même, c'est sous démocratie que moi écoute. L'homme commence à faire des marches, ça. Premier bail qui est intéressé, c'est à savoir, est-ce que tribunal aux États-Unis, est-ce que système de justice américain prêt à faire au monde témoigner contre son gré? Qui gens que font monde témoigner contre son gré? Quand j'ai formé ton revolver dans l'oreille, ou si pas témoigner, n'a pas tiré où. Faut être dit comme ça, que si pas témoigner, n'a pas qu'un beau en prison jusqu'à ce que vous plaidez coupable. C'est pas vrai. Système judiciaire américain, si ou pas arrêté en prison, sans ou pas condamné. Donc, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que juste élément ça, yo, de qu'on est que yo pas qu'à Kembo en prison sans qu'on pas condamné, parce que bon, quand vous avez quand ça y a Kembo, là, vous avez le prévenu. Donc, ils sont prévenus. C'est en attendant d'un procès. Si vous dépassez quand ça a comme prévenu, vous obligé de libérer vous. Donc, si monsieur pas témoigné, et que les dit pas témoigné, vous avez fait procès attendu. Mais vous pas qu'à forcer. Vous pas qu'à forcer. Et plaider coupable. Donc, ce que je voulais démontrer, c'est que le système de justice américain n'a pas aucune raison, pas aucune mécanique qui permette que de forcer le monde plaider coupable. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé, c'est pas vrai. Et la preuve est que Guy Philippe fait une déposition, il explique le crime, il explique que le dégain est complice pour le fait crime, il explique que madame est complice dans la mesure que le dégain compte commun avec M. Côté comme l'a déposé dans le compte là, il explique que le dégain 1,5 million de dollars alors que le dégain travail qui coupe l'alcool pour lâcher son caille comme ça. Alors, professeur, je vais aller parce que parce que c'est oui. Son poste, vous prêt à vous parler avec nous. On caille en 2005-2006 qui coûtait 1,5 million de dollars américains aux États-Unis. C'est parti, bagaille petit lié, non? Oh, c'est-à-dire, caille ça, je dis à la CK qui a évalué à plus que 3-4 millions de dollars. C'est-à-dire, voilà. On caille en 2005-2006 qui a évalué à 1,5 million de dollars. C'est pas petit bagaille, pitié, non? Et bon, c'est comme voilà. Si. Bon, et puis, de toute façon, il y a saisi caille là. Si monsieur pas coupable, monsieur pas qu'on fait un rien comme démarche, non, pour le récupérer caille là. Parce que c'est pas coupable. Ça importe. Pour récupérer caille là. Société caille, les yeux, non, non. Suspend la vie, vive, vive. Faut nous comprendre, oui. Faut nous comprendre, société. Faut nous comprendre. Suspend la vie, vive, vive. Parce que pour nous gonvie caille aux États-Unis, il va les mise au passé. Bon, puis on t'a saisi, ils sont pas fait rien. Et puis vous pas fait démarche pour récupérer elle. Elle est facile, manche. Vous comprenez? Donc voilà. Donc c'était un monde qui était face à une possibilité d'obtenir une peine de prison à vie. Et en échange de un témoignage, donc en échange de délation, de
information que monsieur baille, etc. Yo ba monsieur une sentence minimale, donc ba monsieur la sentence minime du minime. Ba yo ba monsieur sentence pipiti que te kabalia. Donc ça veut dire que monsieur baille en pile information pour que mal ça passe là. Donc voilà, voilà le bout de l'histoire. Moi-même travail moi fini. Travail moi fini, ba la acharnement sur tout le monde et tout simplement ça me voulait démontrer c'est que Guy Philippe a fait une propagande avec deux mentis. Que était kidnappé et que était forcé le plaider coupable. Dans les deux cas, c'est faux. C'est travail moi fini document, et puis prouver ça. Document là, moi expliqué au texte là et puis m'a dit ça encore si on nous voulait le texte moyen s'il vous plaît. À vérifier référence là yo cliquer sur yo pour nous joindre le document yo et puis nous même faire propre interprétation nous donc on doit pas d'accord avec moi pas écrit pour une raison moi écrit pour faire sortir une information pour mailler une opinion mais nous pas obligé de même opinion avec moi donc pas seulement le texte là à vérifier ça et puis à sa conviction que moi yo si nous penser que yo valide voilà c'était merci en pile et on connaît que son pose moi prend tant que tu dit donc merci quand même de merci beaucoup pardon pour l'opportunité ça pour m'expliquer le travail comment faire. Merci, frère. Merci infiniment. Et bon travail, professeur Kébéred. Merci parce que vous avez créé Titan ça pour te venir expliquer une partie ça dans le gros article ça. Et qu'on travaille ça, qu'on fait, t'es besoin plus. Et explication de lui. Merci, Kébéla. Bon travail. Avec plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Grand nom qui est le John Peter. Et c'est ça en pile nèg fait en Haïti. Je suis tombé écrit sur téléphone, moi, John Peter. Monsieur dit l'habité d'Elma. Et monsieur dit que il fait une série de graphies. Il fait bidon, tasse, maillot, képi, tableau personnalisé. Je m'en dis pour m'aider le partager info ça même pas jamais moi parce que c'est qu'on y a l'écrime là fait moi ça le ban numéro téléphone ni son monde besoin service là pas jamais gain temps pour me répondre monsieur et puis qu'on y a le monsieur qui est son partisan Guy Philippe ou bien vivre ensemble on y a monsieur écrime là pour dire bon juste qu'il est ou suspend by peuple a menti qui menti by monsieur là parce que un sociologue qui vient avec un argument lui seulement expliquer ça va aller et ceci c'est pas vous et monter la fait document là et me gain là me ca partager yo sous qu'on lit comme ça en anglais, oui, sous qu'on lit. On va dégager, ou bien faire Google, faire traduction, ou à comprendre. Yo, John Peter, avec Delma, émission pas maintenant, c'est pas sortir en mettant Diane parler là-dedans. Et m'tout bloqué, ou pas jamais écrit sur téléphone encore. Petit vagabond. En pile, avec Femza sur réseau, avec la gagne doit écrire, m'par ni contre que l'écrime, le fait que m'par répondre, ou bien s'il fait un demande, m'par agréel, et qu'il vient en face moi après ça. Nous pas qu'à vivre comme ça, nous pas qu'à son. Nous pas en société, pas qu'à construire comme ça. Ok. Donc, c'était ça. Justement, j'en dis, hein. Par exemple, il y a quelques documents m'a partagé yo sur page moi après c'est pas comme si bagaille fabriqué ouais on salue détective Lubin ainsi que son frère on salue non monsieur Kembered bon travail commandant Jean Kembered pas moli OK la société écoutez et dossier sa juge Cécilia les petites ritelles et au cas baite tout la peine pour aller fonter au chef sur ça OK. Donc, ce n'est pas rien de grave, rien pour nous accuser personne. Nous seulement dit en vérité qui existait, qu'un pile monde des journalistes proches qui connaissent ou existaient, mais qui pas choisi d'une vérité. OK? Et d'ailleurs, vérité ça non plus, pas qu'à empêcher nous, ou bien pas qu'à empêcher ou même qui connaît Guy pour continuer quoi là-dedans. Mais il faut reconnaître que Guy Philippe, M. Sonègue, qui plaide coupable, que lui-même lui d'accord, que le blanchiment d'argent, et monsieur te corrompt des policiers pour te faciliter drogue entrer dans pays hein? Et monsieur te gain bon connexion avec des narcotrafiquants colombiens et équatoriens oui selon ça qui dit dans le document parce que transaction remonté en Colombie Équateur et ceci pas lié nèg ça gain pile même genre avec on nèg Dimitri Rohr ça veut dire que gain connexion avec en pile monde en Colombie ainsi que Équateur et en pile l'autre pays et pas connait mais ou te ka remonter dans l'histoire tout ou vin gade, à qui facilité Colombien habitué à rentrer en Haïti, jusqu'à ce que Colombien cité dans touye un président de la République. En tout cas, son bail est grave, mais faut me rappeler pays, c'est constitution à qui dit. Lorsqu'on est au bon poste de responsabilité, et pour d'accord, vous trahissez pays ou, eh bien, il y a une sentence qui est réservée pour ça. Sous quoi m'entend? Ali dans l'article 21, constitution pays. 1987, mais qui ça le dit? Mais qui l'est yon haïtien fait crime drive il? L'est rentré dans l'armée, yon pays étranger qui a goumé contre pays, contre République d'Haïti. L'est la travail pour yon pays étranger qui a fait la guerre avec pays d'Haïti. L'est li volé bien l'État qui sous compte li, et tant qu'elle n'a yon place dans l'État, est-ce qu'on équivalent nèg qui drive pays? Alliatique 21 constitution pour prendre nos comptes. Qui valait nèg ak femme
qui trahi pays et joue justice qu'a fait n'a saisi ouais quantité nèg ak femme qu'a prend code pour trahison en violation de l'article 21 de la Constitution. Oui, il dit que mais qu'il ait un haïtien fait crime trahi pays. Il rentre dans l'armée un pays étranger qu'a gourmet contre République d'Haïti. Il a travaillé pour un pays étranger qu'a fait la guerre avec pays d'Haïti. Il volait bien l'État qui sous compte lui étant li nan yon place l'État. Il pas respecté constitution wa, étant li en chargé pour faire respecter constitution wa. Est-ce qu'on équivalait ancien président, ministre, sénateur, député, magistrat, directeur, secrétaire d'État qui t'a en bas code, qui t'a en état? C'est parce que nous pas jamais respecté constitution pays, non? Nous pas jamais respecté la loi. Article 21.1, mais qui ça le dit? Léon haïtien fait crime trahi pays. Yo droit condamné pour le travail à vie pour l'État. À vie qui donc tout le temps la travail pour l'État, nos travaux forcés. Sans yo pas jamais gen droit faire grâce. Ou est-ce que ça qui passe? Pas un problème, non? Ça le dit que constitution a donc paquet de bagarre mais qui pas jamais respecté. Il ça fait nèg fait ça ou vle, yo vin là, yo vole gens ou vle, yo fourré mais ou dans caisse l'État, gens ou vle. Et personne pas qu'a dit rien parce que c'est yo qui a commandé, c'est yo qui a dirigé. Est-ce que nous cap un pays pour nous faire ça? Non. Il y a un leur qui a privé. Faut gagner des citoyens, faut gagner des haïtiens conscients qui assument responsabilité. Me songe un bagage professeur Franck Etienne dit avant hier. Youn nan pi gros problème nous gen là ou bien youn nan bagage que nous ta doit faire pour nous ta sauver Haïti, faut nous ta prend conscience. Et c'est ba m'a dit chaque jour ici. Parce que si nous pas conscients de réalité, nous pas jamais sorti dans ça nous hier. Ça veut dire que pour nous sortir, faut nous conscients. Oui, nous avons une situation compliquée. Mais attention, on me dit ça. C'est pas parce que ma vie manger viande qui pral femme kembe ravette pour manger dans place Aransor. Aransor c'est Aransor, ravette c'est ravette. Ou bien doit même manger ravette ou son choix personnel. Mais folie manger viande, pas femme tomber dans manger cricket, dans manger zandolite, dans manger ravette. Pour Aransor. Si vous comprenez créole, vous comprenez ça, me l'a dit. Je vous signale ça hier, ce n'est pas comme son bagage inventé. Et ça fait m'a dit non. Écoutez, Emmanuel Dimke, dit M. Guy Philippe, bien 3 années que l'IPAC a mélangé dans aucun zac parce que il n'a probation pour 3 années. Parce que M. fait 6 ans en prison, mais c'est 9 l'année, il était bal. Oui, c'est vrai, Emmanuel Frémoy. Merci. Salut, famille. OK. Il y a un bagage que je vous ai dit hier. Peut-être, ou bien doit penser ces mentors d'abaï. Mais son vérité liée. M'kal montre nous, l'équipe PHTK qui vit dans le pays, j'ai l'impression que c'est un pire mal que nous vivons. Et où est le travail qu'a fait jodi là? Et puis, il y a un monde qui a joué, dit bêtises, parle en pile, etc. Il y a un jour, on a compris. Parce que si la presse a toute indépendance, li, pour te faire travail ça yo avant, gen une série de dirigeants, gen modèle de chef que nous te gagnen, nous pas la jambe gagnen yo. Imaginez que nèg yo vin là, qui ça ou vin régler? Tande. Nèg yo gagote tout l'argent qui est destiné pour faire belle bagaille dans le pays d'Haïti. On l'argent que nous te gagnen qui était capable développer presque tout pays ou bien bon parti là-dedans. Nèg yo gaspiller comme là nan fait ti programme bidon monter ti projet bay ti ménage yo ti famille yo ti zanmi yo l'argent gagoté menes mi aligal toujours là là dedans il était toujours là mais là toujours alors nèg yo gen chance papa il toujours là attendez imaginez que moun sa yo vin là yo passé 5 l'année à fonctionner m'a parlé de PHTK première version le matin li pralé kon sa monsieur fait. Et cette bayo là, c'est la presse qui pour aider nous. Et au lieu de jouer ses consciences pour nous prendre plutôt. C'est pas bêtise pour Abdi, c'est conscience pour prendre. Parce que jusqu'à présent, on pas captival, pas cap nous vive PHTK, vive Martelly. C'est parce que on pas conscient, on dans l'ignorance. Avant monsieur aller au compte ça Martelly fait, monsieur sorti ont arrêté. Attendez, oui, monsieur prend yon arrêté Michel Joseph Martelly, président, liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté.
arrêté Michel Joseph Matéli. Non, arrêté ça, monsieur prend, ou qu'on ça le fait? Son DPIA. Li mande pour chaque nèg qui était ministre, chaque femme qui était ministre, avant yo quitter poste yo, que yo était secrétaire d'État, que yo était ministre, yo supposé ba yo un chèque, un enveloppe, l'argent, ou on bouri ça comme ça, yo rele sa prime ou encore indemnité de séparation de service. Son pays difficile. Tade oui. Archive yo la. Et c'est une archive ça, oui, là, ouais. Sous la solidarité, il y a des gens qui fâchent. Pas grand rien qui fait, donne yo la. Michel Martelly, avant monsieur quitte pouvoir, monsieur prend yon arrêté. Tant de pays. Bon, mais essayez de garder ça pour nous. Si une pensée, c'est bon, pas ma fait. Yon prend plusieurs décrets d'ailleurs. Qui révisait en série de l'autre qui était là. Maintenant, là, on va aller en plus, dividal de quelqu'un qui te prend. Vous prenez un arrêté. Article 1. Tendez bien. Vous parlez de liquidation de la pension civile, de retraite, s'opère automatiquement pour tout ancien chef d'État ou de gouvernement le mois qui suit celui de la passation des pouvoirs. C'est-à-dire, la surelle. Que, tendez, oui. C'est-à-dire, pendant lui-même la. N'a pas crasé qu'on la. La surelle que l'argent que l'était passé comme président, ça a dit, faut que l'y gagne l'argent pension, le retraite li. Pas un problème. Tendez, oui. Tendez, pas moi li ça, ouais. Article 1. Liquidation de la pension civile du retraite s'opère automatiquement pour tout ancien chef d'État ou de gouvernement le mois qui suit celui de la passation des pouvoirs. Article 2. Tout ancien chef d'État ou de gouvernement dispose de un secrétariat, un service de sécurité rapproché, les moyens de transport adéquats. Tenez bien, au pays. C'est-à-dire, monsieur, mandat fini, et ça te fait, ouais, malgré Martelly par président, comme qu'on y a un petit casse mélangé dans mel, mais le monsieur Haïti, monsieur, il y a plus agent de sécurité qu'avec que même le président en fonction. Et avant, et bon, comme si, c'est mon bail il fait, on va le dire, on va illégal, comment on fait que tout le mec ça avait, non? Monsieur assuré, il prend un arrêté pour ça même. Il dit que, faut qu'il assure que tout ancien chef d'État ou de gouvernement, alors que nous sommes gilles d'alou, était Aristide, nous sommes gilles fait ça. Je venais de faire le matin, il était fait bail ça, il était quitté Aristide. Et monsieur assuré, il dit tout ancien chef d'État ou de gouvernement dispose d'un. Deux, attendez, un secrétariat. C'est-à-dire, ça faut toujours avoir notre cap sorti, et puis on a deux secrétariats, en tel ex-président, ex-première dame, ex-ministre, etc. Il a dit deux, petit B, un service de sécurité rapproché. C'est-à-dire, full sécurité derrière, sans problème, et puis le peuple a même couru. C'est les moyens de transport adéquats. Il y a plein de blindés avec eux, pile machine gros figue, pendant le peuple a même une bicyclette, il n'y a pas gagné pour le monter. Pas de problème. Article 3, attendez bien, vous payez. Les frais de fonctionnement du secrétariat et du service de sécurité rapproché, ainsi que les dépenses d'entretien des véhicules, tendez, ou bien, mises à la disposition de l'ancien chef d'État ou de gouvernement, sont à la charge de l'État. Eh bien, monsieur, quand ça peut y en finir? Quand ça peut y en finir? Qui l'aime d'attendre de Gémarvel t'a parlé de bail ça, ça veut pas de tout donner ça. Et puis nous avons des gens qui sont fâchés, mais j'en ai bien son femme qui écrit là. Et de Gémarvel, ou observe là, de Gémarvel demande, ça veut son femme qui t'a écrit qui n'est pas content. Parce que pendant qu'on va sortir là, on demande pour tripler l'argent bas yo. Quel est de Gémarvel demande fâché. Quand y attendez ça, vous n'en dites oui. Il dit que ou tout pays c'est comme ça. Qui tout pays? Et puis qui l'autre pays? Comme si, non, ça Haïti est là. Si on n'est pas volo, vin volo. Même comme yon paye la, faut ta partage la dans l'ou a payant. Si salaire c'est 100 000 goud, faut ta dire 53 prends, quitte 50 pour trésor public pour faire travail au pays. Oui. Soutez bon citoyen, oui. Comme si monsieur, après tout ça ne fin fait là. Attendez, oui. Après tout ça ne fin fait. Est-ce qu'on attend de Pierre et Michel? Après tout gagot ne fin fait, oui. Avant monsieur quitte pouvoir comme président, li assure li sorti ou arrêté.
Elle dit dans arrêté là, fuck, ni elle même ni capé, ni yo tout qui t'est passé là comme premier ministre, fuck yo gagne un secrétariat qui a fonctionné. Bon, le cas dit c'est normal. Mais ça n'est ça utile pays a rien. Yo dit fuck yo gagne un service de sécurité rapproché. Ça utile pays a rien. Ça dit yo pas dans vie civile là même encore. Fuck yo était chef même si yo pas là. Et il dit fuck yo gagne moyen de transport adéquat. Pas de problème. Mais ça qui pitouille, non. Attendez, oui, pays. Les frais de fonctionnement. Ça le dit, secrétariat ou mette campé, est-ce pas comment on a arrangé pour écraser le pays? Est-ce que nous voyons comment on a arrangé pour prendre ta pays? Est-ce que nous voyons la société comment on a arrangé pour rendre nous plus misérables? Alors, ce que nous parlons de dimension pour nous comprendre ça? Au lieu de comprendre ça, c'est ça nous avons dit de système dans AIA, oui. Au lieu de comprendre ça, au contraire, ils ont mis dans position pour attaquer Mpito. C'est ça, Mdab Dinière, oui. Au lieu de comprendre ça, oui, n'est-ce pas, fait non. Ils ont mis dans position pour attaquer Mpito, pour fâcher avec Mpito, pour voyer Mpito, pour menacer Mpito, pour dire bêtise Mpito. Alors que, n'est-ce pas, font complot pour finir avec dans le pays, à la société. Mais n'est pas ouais, ça. C'est triste, oui. C'est grave, c'est triste, mais malheureusement, c'est là, nous arrivons. Mais c'est grave, oui. Attendez. Ça veut dire, secrétariat, il dit que, frais pour le fonctionner, frais pour service sécurité rapproché, dépenses pour un jeu machine y a boulé. Attendez, oui. Toute l'argent, ça y est, c'est l'État qui est responsable pour faire. Ah. Eh ben. On quitte ça. Comme c'est moins de problème. Là. Quitte le roule. D'ailleurs, moi, on a travaillé pour gagner une quatrième version PHT4 par être sous nous là, tout l'imé. Quitte le marché. Et moi, je me souviens, dis nous, c'est mal, c'est les cap foulés. Quitte le roule, tonton. Sauf que, me songe, moi, j'étais dit, nous prenons manger Zeb, oui. Bon, d'ailleurs, qu'on y a même Zeb pas gagné, parce qu'en pile côté, vous mettez du fait là dans yo. Zeb pas poussé. Même forêt de paix. Moi qu'on y a un complot de fait dans la forêt qui a crasé, boulé, fait caille. Ça dit même Zeb pas poussé encore. Qui donc même Zeb n'a pas besoin de manger. Mais comme c'est comme ça, nous, Weli, pas un problème du tout. Moi même, ça seulement m'a dit non. Bien un jour, n'a pas compris. Ça dit tous les deux nègres sur le canon là, quel te martel, quel te la motte. Selon arrêté ça que nègres prend, yo tout gagné privilège ça yo, alors que yo pas chef encore dans le pays. Quitte le marché, tonton. Article 4. Il est accordé aux anciens ministres et secrétaires généraux de la présidence, du conseil des ministres et de la primature. Attendez, petit A, une indemnité de séparation de service de 2 500 000 gourdes. 2 500 000 gourdes. Donc, on reprend ça, article 4, dans l'arrêté A. Il est accordé aux anciens ministres et secrétaires généraux de la présidence, du conseil des ministres et de la primature. Une indemnité de séparation de service. A dit, yo fin travail kounia, yo sépare le peuple là, mais yo va la séparer blanche. Faut que yo ba yon l'argent de 2,5 millions. Pas de problème, non? 2 500 000 gouttes. Faut que yo ba yon comme prime de séparation de service. A dit, yo songe peuple là. Plus privilège généralement dans l'air. Yo gen 2 500 000 gouttes. Ça c'est barré depuis 2015. Kounia, équipe de chef Ariel là, yo mandé pour yo tripler ça, pour yo doubler le ba yon. Parce qu'il y a tellement bien travail pour le pays. Est-ce qu'on a un pays difficile? Petit B, une exonération douanière pour un véhicule à usage personnel. Pas un problème, non? Et malgré, il y a tout fou dans la douane, non? Il y a tout mandé là, des boutons anciens chefs, ou qu'on machine ou besoin là, sortir des potes machines à l'étranger, et ou pas payer pour lui la douane. Il a exonéré. Du français, papa, ou pas payer pour lui. C'est malgré qu'il a payé, pas un problème. Petit C, une prise en charge par l'État de deux agents de sécurité pour une période de 6 mois. Eh bien, ça, yo dit là pour 6 mois, mais l'autre, yo va mettre moi. Pas de problème, non? Pas de problème. Qui ça, yo dit encore?